Depuis son premier vol, le 20 avril 2023, le duo Starship Super Heavy, qui incarne les rêves de lanceurs géants 100% réutilisables de SpaceX, n'a cessé de faire parler de lui en mal comme en bien. Mais il faut bien lui laisser une chose, après un début assez chaotique, on se souvient du petit désastre du premier vol, les choses se sont rapidement améliorées. Alors que le second vol allait voir le Starship réussir à se séparer de Super Heavy sans incident, et ce grâce à l'ajout d'un nouvel anneau dédié à cette séparation, les choses allaient encore aller mieux avec les 3e et 4e vols. Le 3e vol, par exemple, allait être l'occasion de se faire la main sur les ravitaillements en vol, avec un essai de transfert de carburant entre deux réservoirs du Starship, et ça, eh bien, c'est essentiel pour permettre au Starship d'atteindre la Lune et remplir sa part du contrat HLS dans le cadre du programme Artemis, en ramenant des humains sur la Lune. Et puis bien sûr, il allait y avoir le 4e vol qui allait être le clou du spectacle. Un Starship réussissant par miracle son retour dans l'atmosphère en direct, ce qui est d'ailleurs inédit rendu possible par l'utilisation de Starlink pour les communications directes avec la Terre étant bloquées par le plasma, et un atterrissage presque miraculeux d'un Starship dont les ailerons se sont en partie désagrégés lors de la réentrée. Le Starship allait ainsi réussir in extremis à se poser dans l'océan Indien, faisant de ce 4e vol le premier succès presque complet. Bon, je dis presque parce qu'il a lourdement souffert de la réentrée, mais on est quand même pas loin d'une réussite complète, surtout si on ajoute le fait que Super Heavy avait réussi à se poser en mer. Mais j'en parlerai tantôt. Mais voilà, ce dernier vol, même s'il allait être spectaculaire, est encore loin d'être la fin du chemin pour SpaceX. Alors, entre le 5e vol et ses objectifs, les Starship V2 qui sortent de l'usine, les évolutions du site des Starship et encore bien d'autres, eh bien, l'heure est venue de se faire un nouveau point sur le programme et les actualités liées. Avant de commencer, néanmoins, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, si vous envisagez la fin de matériel astro, peluche en forme de terre et autres météorites, eh bien, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Astrophobe via le lien en description, ça permet de soutenir la chaîne gratuitement. Allez, sur ce, j'ai déjà bien assez parlé, alors bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Ça n'aura pas échappé aux fans les plus assidus de SpaceX, mais depuis quelques semaines maintenant, il règne une certaine ferveur dans la petite ville de Boca Chica, au Texas, où SpaceX a installé Starbase, son site de production et de lancement des prototypes de Starship. Il faut dire que l'entreprise est actuellement active sur plein de fronts différents. Et avant de parler des prototypes et des prochains vols, j'aimerais justement commencer par un des points dont l'avancée est assez spectaculaire. La construction du second pas de tir orbital, pas de tir qui sera extrêmement important pour l'entreprise. Il y a en effet plusieurs contraintes qui poussent SpaceX à remplacer la tour de lancement de près de 140 mètres, dotée des bras manipulateurs permettant de placer Starship sur Super Heavy et de manipuler les deux véhicules. Déjà, lors de la construction du premier pas de tir, le sol des fondations de ce dernier n'avait pas été ou très peu asséché, et étant construit dans une zone particulièrement humide, il semble que la tour de lancement se désaxe légèrement par rapport à la table de lancement, fait qui est trahi par des difficultés de plus en plus importantes, même si minimes, pour empiler les véhicules. Mais la nouvelle tour de lancement devra aussi, et surtout, être adaptée aux futures générations de Starship. Car si, lors de la construction du premier pas de tir, la hauteur du Starship semblait assez définitive aux environs de 120 mètres, l'entreprise a dû revoir ses plans. Pour atteindre les objectifs fixés en termes de capacité d'emport en orbite notamment, essentiel pour effectuer les ravitaillements du Starship lunaire ou le rendre compétitif par exemple, SpaceX doit agrandir le véhicule qui, pour le moment, peine à approcher la capacité de Falcon Heavy. Le duo devrait ainsi encore grandir de 30 mètres d'ici les Starship V3 et pousser jusqu'à 150 mètres, soit 10 de plus que la tour de lancement actuelle. Ainsi, ce second pas de tir ne tarde pas à faire son apparition. À l'heure où cette vidéo sort, la tour de lancement a déjà commencé à être assemblée, section par section, et un autre élément pas vraiment inattendu, mais pas vraiment attendu non plus, a fait son apparition. Un déflecteur de flamme ou Carnot. Cet élément n'était en effet pas présent sur le premier pas de tir, par choix de SpaceX, et son absence avait causé de lourds dommages lors du premier vol. La table de lancement sur laquelle est posé le lanceur allait en effet voir ses fondations littéralement souffler, alors que des blocs de béton allaient être propulsés directement dans la mer. Suite à ça, et pour le second vol, SpaceX allait installer assez rapidement un système de déluge d'eau sous le pas de tir, déluge qui, en utilisant une plaque de métal percée faisant jaillir de l'eau sous pression, aide à absorber la chaleur et les vibrations du lancement. Mais depuis quelque temps déjà, on voit aussi pas mal d'observateurs amateurs douter de l'efficacité de la plaque sur le long terme, cette dernière semblant elle aussi souffrir des lancements répétitifs.
Ainsi, SpaceX semble avoir débuté les travaux pour installer un déflecteur de flammes sous ce qui sera la nouvelle table de lancement, montrant ainsi que l'entreprise a probablement conscience des limites de la plaque actuelle. L'entreprise avait d'ailleurs déjà aussi installé un déflecteur au site de Massé, non loin de là, site où les Starship effectuent leurs essais statiques. Mais il faut noter qu'il faudra encore un peu de patience avant que ce pas de tir ne soit exploité. Déjà, les éléments tels que la table de lancement sont encore loin d'être finis, et SpaceX attend aussi une étude de l'impact environnemental de ce second pas de tir, le site étant situé dans une réserve naturelle. Mais bref. Car alors que le second pas de tir orbital pousse tel un champignon géant, les prochains prototypes à voler avancent eux aussi. Par exemple, le Starship 30, qui volera pour le cinquième vol, a déjà effectué ses premiers essais statiques, et les protections thermiques, les tuiles noires au niveau des ailerons, ont été modifiées pour éviter la destruction partielle de la dernière fois. D'ailleurs, une couche supplémentaire a été ajoutée au bouclier thermique, qui a ainsi été enlevée pour être replacée cette couche se situant sous les tuiles, afin de permettre une sorte d'ultime protection si une tuile venait à se détacher. De son côté, le prochain booster à voler, le Booster 12, est lui aussi en train de passer ses derniers essais avant un cinquième vol du lanceur, attendu d'ici fin août à début septembre. Et ce cinquième vol s'annonce justement autant couleur. Déjà, il devrait être l'occasion de voir le premier étage, Super Heavy, réaliser un retour au pas de tir et être attrapé par les bras mécanisés de la tour de lancement. Cette étape, essentielle à la réutilisation, a déjà partiellement été testée lors du dernier vol en visant une tour virtuelle dans le golfe du Mexique, et semble avoir été un succès. Mais du côté du Starship, il y aura peut-être aussi quelques changements dans le plan de vol. Si ce dernier s'était posé dans l'océan Indien, il semblerait, et j'insiste sur semblerait, ce ne sont que des rumeurs, que l'entreprise ne soit en train de discuter avec le gouvernement australien pour un retour à proximité des côtes de l'Australie, permettant ainsi de récupérer et examiner le Starship après son atterrissage. Bon, comme je le disais, ça reste une belle spéculation, mais ce serait très intéressant pour l'entreprise. Mais à côté de ça, il n'y a pas que le cinquième vol qui avance. Alors que les prochains prototypes à voler pour le sixième vol, les Booster 13 et Starship 31, avancent eux aussi, la nouvelle génération, qui débute avec le Starship 33, le 32 ayant été abandonné, a aussi fait son apparition. On constate ainsi différents changements assez importants. Déjà, le positionnement des ailerons avant, qui passe de 180 à 140 degrés, a été revu, ainsi que leur design général. Décalé vers l'avant et mieux protégé, il devrait aider à améliorer le contrôle du Starship lors de son retour sur Terre, tout en résistant mieux au retour dans l'atmosphère en étant plus aérodynamique, plus léger, et l'un dans l'autre plus efficace. De son côté, la porte de la soute, qui devra s'ouvrir pour déployer les satellites Starlink V2, a elle aussi été en partie revue, devenant plus arrondie et aussi renforcée. Lors du troisième vol, elle s'était en effet rouverte après un test visant son ouverture-fermeture, ce qui était totalement involontaire et critique pour le retour dans l'atmosphère. En fait, avec la soute ouverte, il est impossible qu'un Starship puisse y résister. Et tandis que la soute a été légèrement raccourcie, probablement pour des raisons pratiques lors des vols de test, le positionnement des tuiles de protection thermique en général a lui aussi été revu, afin de maximiser leur efficacité. Enfin, on voit aussi apparaître dans les conduites de carburant des changements de positionnement qui sont probablement pensés pour être compatibles avec un amarrage de deux Starship en orbite, étape essentielle pour le Starship lunaire. En résumé, la future génération de Starship ainsi que le cinquième vol sont donc désormais bien avancés, et avec la sortie d'usine du premier Raptor V3, version simplifiée, allégée, plus performante du moteur du Starship et de Super Heavy, il y a fort à parier que les prochains mois soient particulièrement intéressants à suivre. Mais ça, eh bien, j'en reparlerai le moment venu. D'ici là, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace.